Première fois que je découvre Sarwa, et déjà un accueil très chaleureux, convivial, autour d'une cheminée avec des sangliers rôtis, avec des vins de Bergerac et des haricots. Il y avait une ambiance très festive. Déjà, c'était prometteur. J'ai vu des jeunes passionnés, motivés. On ne se présente pas dans un concours comme ça. De but, ça demandait déjà beaucoup de préparation, beaucoup d'anxiété, des nuits blanches sûrement pour réaliser. Et ils ont fait un travail qui était tout à fait remarquable, avec beaucoup de difficultés. Vous savez, le foie gras, c'est dur à travailler. La truffe, c'est encore beaucoup plus dur. Vous savez, c'est un produit mythique et mystique où, pour fixer les parfums, fixer les saveurs. Il faut la chauffer, il faut la couvrir, qui demande beaucoup de connaissances. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est des présentations dignes de grands concours, faits par des jeunes. C'est vrai qu'il y avait des coachs avec eux, des professeurs aussi, qui se sont beaucoup impliqués. Un duo, et c'est ça qui est beau, voir élèves, professeurs comme ça, cette passion, c'est encourageant, je crois, pour la gastronomie et pour nous, notre pays, ou de voir des produits vraiment, parce que la truffe, la tuber mélanosporum qu'on trouve ici est quand même assez unique, de voir des produits mis à l'honneur comme ça. Attention, le premier prix va être attribué à... Bravo! Bravo! J'ai passé mon CAP l'année dernière en fait, en reconversion professionnelle je suis, et là j'ai embrayé sur un BP. Et je me suis préparé une dizaine d'heures. J'ai été accompagné aujourd'hui par Monsieur Salas. J'ai monté ma recette, j'en ai discuté avec lui, il m'a dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, on a fait un test, il m'a dit tu devrais essayer ça. Donc c'est un partage commun quoi. J'ai pris plaisir dans tout ce que j'ai fait quoi. C'était sympa, c'est la première fois que je participais à un concours. Surpris, voilà, très surpris et très content. Une nouvelle fois, je suis heureux, content, honoré d'être au Festival de Sarlat cette année. Alors bien sûr, pour moi, c'est assez magique. Hein. Je suis aux côtés de Joël Robuchon, hein, qui a été quand même mon chef pendant 8 ans. Donc aujourd'hui, être à la fois le président d'honneur, parce que bien sûr, je suis venu il y a 2 ans en tant que président, c'est très flatteur. Après ça, vous avez vu aujourd'hui 17 meilleurs ouvriers de France qui sont là pour juger des élèves. C'est vrai que souvent, on retrouve ce type de jury pour le concours du meilleur ouvrier de France. Aujourd'hui, ils sont là pour des élèves d'école hôtelière. Il faut laisser ces chefs venir aussi s'exprimer, amener leur touche, s'impliquer, soit avec ces élèves. Et puis vous allez voir ce soir, il va y avoir des démonstrations de cuisine, donc ça va être fabuleux. We'll be right back.
Bah, c'est une journée un peu explosive parce que plus de 50 étoiles portées par des chefs étoilés sous la conduite de Joël Rebuchon, des moments extraordinaires et qui permettent de penser que à partir de cette manifestation et du trophée Jean Rougier, il y a une marque très forte sur un patrimoine qui n'est cette fois-ci pas la ville médiévale, mais la gastronomie du Périgord au sens large, qui va bien sûr jusqu'au Quercy, et où on retrouve trois produits principaux que sont l'oie, le foie gras, le canard, la truffe, le champignon, la noix, une créativité française qui est à nul autre pareil et qui rayonne sur le monde entier. La truffe, c'est un produit identitaire de Sarlat. Sarlat et la truffe, c'est une histoire ancienne. La fête de la truffe remet en avant ce produit d'une façon magistrale. De très nombreux chefs viennent pour cette fête. Et puis on a la chance aussi d'avoir cette année un marché de truffes très actif, puisque aujourd'hui, 78 kilos de truffes sont à la disposition des clients. Donc ça tombe très bien. On a la chance à la fois de faire cette fête et d'avoir le produit. Les truffes sont vendues lavées, brossées, ressuyées. J'allais dire, c'est du prêt à l'emploi, comme on peut le voir ici sur les étals. Quoi qu'il en soit, ici sur les marchés contrôlés, le particulier peut acheter une truffe à l'unité. Donc ce qu'il est important, c'est de bien sentir sa truffe et choisir en fonction des arômes que l'on aime. Ma spécialité, c'est la brouillade à la truffe de saison. Donc le principe de la brouillade, eh bien, c'est des œufs qui sont cuits à basse température, au bain-marie. Et puis on fait un rajout de truffes copieusement de façon à ce que l'œuf absorbe tous ces arômes de la truffe.